Abidjan. C'est la dépêche Abidjan. Ok, thank you. C'est de la marche pour la paix et donc j'invite tout le monde à vraiment être solidaire et donc love yourself, love ourselves and love others too. Bye. On m'a invité et je sais que c'est pour la paix et moi je suis pour la paix, du coup je me suis dit je vais venir et tout le monde est très gentil, du coup ça fait plaisir. Ce que j'ai compris c'est que ici c'est bah, vous essayez de faire passer des messages au gouvernement, donc, bah, du coup, je trouve ça super et je me suis dit, j'ai envie de soutenir ça, voilà. On veut tous la paix dans le monde. Et là, aujourd'hui, on a une occasion de faire valoir ce qu'on veut. Et du coup, on est vraiment content d'être là pour manifester pour la paix. Pour la paix, afin qu'il puisse ne plus avoir de guerre à travers le monde et qu'on puisse enfin avoir ce monde de paix qu'on demande et qu'on désire tout. C'est tout ce qu'on demande, voilà. Surtout beaucoup en Afrique où alors aujourd'hui les puissances mondiales pensent qu'elles sont au-dessus de tout le monde et qu'elles envoient des bombes ou des drones à travers le monde. Donc nous, tout ce qu'on demande en fait, c'est que les générations futures puissent avoir cette paix et c'est tout ce qu'on veut. Donc voilà. Merci. Ok. D'accord, on est là pour s'amuser. Sans aïe, comme on dirait. Nous sommes prêts. L'organisation par le biais de ma fac qui est à Jussieu. Donc moi la paix c'est un domaine qui m'a toujours intéressée. Et aujourd'hui en fait IPYG ça signifie en fait Groupe International des Jeunes pour la Paix. Et on est présent aujourd'hui à travers plus de 110 pays. On est plus de 4 millions aujourd'hui. Donc on se réunit aujourd'hui en fait, pour pouvoir promouvoir la paix à travers le monde. Afin que justement chaque jeune aujourd'hui en fait, puisse se lever, crier avec nous en fait, parce que le monde de paix en fait c'est le monde futur. Nous aujourd'hui nous sommes la génération qui devrait justement en fait se lever et crier en fait de promouvoir cette paix là parce que c'est possible. Grâce justement à la DCP12W qui signifie Déclaration pour la paix et cessation des guerres. C'est une loi qui aujourd'hui n'est pas encore établie, mais justement on essaie de la paix à établir en fait devenir une résolution, tout comme les droits des hommes en fait. Donc ça pourrait être suivi et enfin pour avoir ce monde de paix. Donc voilà. Alors moi j'ai connu l'organisation grâce à une amie qui en faisait déjà partie et quand elle m'a parlé de cette organisation, bah, tout de suite j'ai voulu en faire partie. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, ce qui est triste, c'est qu'en tant que jeune, vu qu'on a grandi dans ce monde où il y a beaucoup de guerres, on pense que la guerre c'est quelque chose de normal. Donc ça veut dire qu'on croit plus au fait qu'il y ait des guerres, mais pour nous la paix c'est devenu quelque chose vraiment d'utopique. Et aujourd'hui on a envie de montrer que la paix c'est quelque chose qui est possible en fait grâce à la DPCW qu'on compte mettre en place. Pour l'instant c'est qu'une déclaration, mais on espère que ça deviendra une loi qui sera vraiment adoptée dans tous les pays. Pour qu'un jour on puisse avoir vraiment la paix dans le monde et surtout pour les générations futures qui puissent trouver une terre de paix. Et pas une terre comme nous on a connu avec des guerres dans chaque pays et voilà.
Cécile en matière de culture de paix. Cette marche pour la paix se déroulera avec la participation d'environ 1000 citoyens français. Nous allons maintenant passer au discours commémoratif et à la cérémonie de proclamation par un membre français du groupe international de la jeunesse pour la paix, IPYG. Après la cérémonie de proclamation, la marche pour la paix pourra commencer. Distingués invités, mesdames et messieurs, bienvenue à la 5e commémoration du sommet mondial pour la paix, HWPL, du 18 septembre, dans le but d'accomplir la paix, désir longtemps chéri de l'humanité. Le thème de la 5e commémoration du sommet mondial pour la paix HWPL du 18 septembre cette année s'intitule « Légiférer la paix, implémentation de la DPCW pour un développement durable ». L'événement qui va maintenant avoir lieu est la marche pour la paix de HWPL. La marche pour la paix de HWPL et d'IPYG se déroule tous les 25 mai dans plus de 100 villes de 50 pays au même moment grâce à la participation bénévole de citoyens qui désirent promouvoir la paix. Dans 174 pays du monde entier, plus d'un million de citoyens activement impliqués dans la sensibilisation à la paix et dans la création d'un sentiment d'engagement à la paix, les rendant responsables du travail de paix au-delà de leurs propres forces, de leurs propres frontières, cultures, races et religions. Thank you.
collective world peace and sustainable war. Et notre war. But c'est d'accomplir, d'avoir la paix mondiale et by la transcending guerre, all war, all nations, culture, religions, ideologies. So that's why we gathered all. C'est pour ça qu'on est tous rassemblés ici. Because when war, of course, parce que lorsque la guerre always apparaît, the youth have to be sacrificed. C'est toujours les jeunes qui sont sacrifiés. Oh, but if youth all Mais together si say no to war, disent non à la guerre, then war cannot be happening. À ce moment-là, il n'y aura pas de guerre. So that's why we are gathering the youth. Mais c'est pour ça qu'on rassemble les and jeunes. And we are making, providing the platform. On leur donne un platform. So that youth all over the world can make a one voice. Puisse avoir un seul. And we are also providing them the network. So they can be united in one with all in IQIG. And currently what we are doing, we are doing the peace letter project. And it's also, it's handwritten letter that you can write. And we are trying to advocate, promote to the head of the state, urge the head of the state so that they can also support the DPCW, which is the Declaration of Peace and Cessation of War, qui est la déclaration pour la paix et la cessation des guerres. Okay, so we talked about the peace letter project. Donc on a parlé du projet de actually, it started from 2018, qui a commencé en 2018. And all over the country's youth et gathered tous les jeunes and write a letter. Se sont rassemblés and pour it was des lettres forwarded to the head of the state. Qui ont été envoyées au chef d'État. And until now, we have spread this and et we have forwarded hand to hand more than 10 countries. Dans plus de 10 pays. And not only forwarding, pas seulement envoyé des lettres. We really received the letter. Mais on a reçu five letters, including head of the states of United States, Canada, and also other Indonesia, etc. So right now what we are doing is really happening something. We're really showing the results. So we actually on this year, March and May, we have been sent to all the countries, all 193 countries, which is under the United Nations. Why we are supporting the DPCW? Because it will be implemented in the US as a UN resolution for. But to do this, we need support from head of the state, and that's why you are supporting and urging the head of the state. Chef d'État. And also what we did today at ce the qu'on a fait aujourd'hui la marche de la paix. And it's also a spreading a culture of peace. Qui est de répandre une culture de paix. Which is written in the article 10 of the DPCW. Dans l'article 10 de la DPCG. So that's what IPYG is currently doing. Et c'est ce que IPYG essaie de faire maintenant. Je m'appelle Brice, je suis bénévole à H2EPL depuis à peu près 6 mois. Pourquoi je suis là? Parce que la marche pour la paix, c'est un événement très important. Ça ne se tient pas seulement en France, mais partout dans le monde. Et des jeunes se rassemblent de toute origine, de religions différentes, de cultures différentes, de couleurs de peau différentes, et viennent en fait montrer qu'ils veulent la paix et diffusent cette culture de paix. Alors partout dans le monde, la notion de paix m'interpelle. Surtout, nous pouvons voir qu'il y a des zones où il y a beaucoup de conflits. On connaît au Moyen-Orient, on connaît en Afrique, mais paradoxalement, c'est dans ces régions que les personnes ont le cœur pour la paix. Ils ont vraiment cette envie de pouvoir accomplir la paix. Et donc, nous savons que grâce au travail de H2EPL, toutes ces personnes en fait se rassemblent et deviennent une pour travailler pour la paix. Alors bonjour, nous sommes vraiment une ONG qui s'appelle IPYG et qui promouvoit la jeunesse. Donc en fait, on soutient la DPCW, c'est une déclaration de paix et cessation de guerre. Et là, vraiment, on vient de faire une marche pour la paix et on a réuni beaucoup de personnes. On veut vraiment se mobiliser pour faire stopper la guerre et instaurer une culture de paix et vraiment une médiation entre les pays pour que tout se passe bien et que vraiment la paix puisse perdurer. Voilà, et on y croit. Et follow us on Instagram, World to Peace. Et votez DPCW! 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 DPCW!